Moins dérangeante que son aînée, plus agile et technologique, la nouvelle série 7 a réussi son retour. Il ne lui manquait plus qu'une mécanique de prestige pour prendre l'ascendant sur la Mercedes Classe S. Place donc au V12. Chez BMW, certains 6 cylindres sont doués comme des V8 et les 8 cylindres en valent parfois 12. Suffisant pour priver la nouvelle génération de série 7 d'un V12 ? Pas si vite. Si ces opulentes mécaniques peuvent déranger dans nos contrées, elles sont de plus en plus prisées dans les nouveaux marchés du luxe tels que la Chine ou la Russie. Cette motorisation revient donc en catimini sous le capot du vaisseau amiral BMW, flanqué de 2 turbos. La série 7 est fidèle à cette noble architecture depuis 1986. Fort de 300 chevaux à l'époque, le 12 cylindres bavarois a constamment évolué et gagné en cylindrée pour atteindre aujourd'hui 544 chevaux. Déjà converti à l'injection directe, ce bloc tout à l'us cède pour la première fois à la suralimentation. Comme de coutume, l'auto signale sa présence sous son capot par quelques détails distinctifs. Haricots de calandre retouchés, quadruple sortie d'échappement rectangulaire, logo V12 et inscription 760i sur la malle du coffre. Disponible en version classique ou rallongée de 14 cm, le joyau de la gamme BMW préfère donc la discrétion au bling bling si prisé dans les pays du Golfe Persique. À l'intérieur, plus que jamais, la série 7 s'impose comme la vitrine du luxe selon BMW. Capitonné de cuir et de bois rares, l'habitacle nous plonge dans un univers ouaté où il fait bon rouler. Notre version à empattement long réserve un accueil de ministre aux passagers des places arrière. La dotation technologique de la 760i est au diapason, informations projetées sur le pare-brise, radar anti-collision, système de reconnaissance des panneaux, nouvelle boîte auto à 8 rapports. Un attirail que l'acheteur pourra agrémenter des roues arrière directrices. Au démarrage, on est d'abord surpris par la discrétion du V12. Quasi inaudible en conduite coulée, il ne laisse filer qu'un doux ronronnement qui vire à la symphonie en insistant. On accède alors au registre enchanteur dont seul un 12 cylindres peut se prévaloir. Avec 750 Nm de couple disponible, des 1500 tours minute, l'Allemande regorge de couple et grise par ses accélérations irrésistibles. Les 8 rapports de la transmission s'enchaînent dans une absolue douceur et placent en permanence le régime moteur sur la plage idéale. Dans l'effort, la série 7 ne se démonte pas et verrouille ses trajectoires, même si la masse conséquente se fait sentir dans les enchaînements serrés. Mais cette limousine ne rechigne pas non plus à nous gratifier de généreuses dérobades. Les gourmets peuvent s'en réjouir, l'actuelle chasse au gaspillage n'a pas encore eu raison de la version V12 de la série 7. Et c'est tant mieux. Pour en prendre les clés, ils n'auront qu'à signer un chèque de 154 500 € pour cette version longue, malus écologique de 2600 € compris.